Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Nous avons organisé ce festival, 5e édition cette année. 5 ans, ça veut dire que vous avez eu de l'expérience depuis. Comment, à quel niveau vous placez ce festival par rapport aux autres qui existent déjà dans la région? Merci beaucoup. Nous sommes effectivement à notre 5e édition. Face aux caméras. Quand on parle de 5e édition, c'est 5 longues années. De réflexion, d'émotion, pour mesurer aujourd'hui l'importance du festival par rapport aux autres festivals qui existent au niveau national ou au niveau de l'Afrique. On peut dire qu'en fait là, en tout cas, il est en train de prendre une place. Il est en train de prendre une place et il est respecté. À cause de tout ce qui est programmation, il est respecté, le sérieux du travail, il est respecté par son jury et l'organisation du festival. Je pense que si nous continuons de travailler sur ce lancer les années à venir, comme je le souhaite, comme je le rêve, Dakar, capitale du court-métrage africain, comme Clermont-Ferrand est devenu aujourd'hui capitale du court-métrage international. Alors l'appel à candidature ne s'est pas limité au Sénégal. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les critères de choix de sélection de ces candidats retenus? Les candidats critiques ou films en compétition? Les deux. Les deux. Ouais. Cette année, on a vu en fait qu'il y a une belle augmentation. Nous avons reçu 256 films en compétition. Tous ces réalisateurs ont déposé pour être en compétition à Dakar Court. C'était pas évident parce qu'il fallait choisir les meilleurs, il fallait avoir une programmation au niveau de Dakar Court. On en a retenu 15 après plusieurs jours, plusieurs semaines de visionnage au niveau national et on a envoyé des films à des professionnels. C'est le moment de leur dire merci, ceux qui sont au niveau de l'Afrique et au niveau international. Les critères, c'était premièrement, il faut que sur le plan technique, on ne peut plus aujourd'hui projeter un film où on n'a pas de son, où la lumière fait défaut, où le réalisateur ne maîtrise pas son sujet, où il y a une contradiction dramaturgie surtout. On a dit non. Actuellement, les films que nous voulons, si nous voulons avoir une industrie, si nous voulons que le public adhère dans notre folie de réalisation, dans notre folie de regarder des films, il faut que nous arrivions à avoir une belle programmation avec des films de qualité. C'est pour cela, cette année, nous avons retenu 15 films en compétition. Et j'avoue que c'est des très beaux films. Sur les 28 films donc, sénégalais qui ont présenté leur candidature, seuls deux ont été retenus. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de réalisation. Vous pouvez revenir là-dessus. Voilà, sur les 256 films qui ont candidaté, 26, c'est des films sénégalais. Honnêtement, on en a retenu deux. Il y a du travail à faire. On a vu qu'il y a beaucoup de problèmes déchets techniques. Tu vois, on sent net qu'il y a manque de préparation derrière, manque de financement derrière, manque d'expérience derrière. On trouve des sujets qui sont intéressants. Par contre, derrière la réalisation, c'est cadique. Du coup, j'invite en tout cas ces réalisateurs, ces productions, de continuer de travailler avec des producteurs et de porter leurs films avec des sociétés de production, avec des guichets de financement, avec une équipe professionnelle, parce que c'est ça aussi qui donne beaucoup de sens au film de pouvoir circuler au niveau national et international. Un film peut être bon, le sujet oui, mais les autres aussi, il y a d'autres choses qu'il faut compléter pour que ton film puisse voyager au niveau international, parce que quand on parle de compétition, il y a des enjeux.
Tu vois, on ne peut pas sélectionner une personne parce que tout simplement, il parle d'un sujet intéressant, mais derrière ce sujet, il y a la technique. Derrière ce sujet, il y a l'aspect artistique qui est important à primer. C'est pour cela qu'il y a du travail à faire. Ce n'est pas que le Sénégal, mais la sous-région, l'Ouest africaine. Il y a du job à faire. Mais est-ce que vous ne craignez pas que le festival n'échappe aux Sénégalais ou aux Africains? Vous parlez du problème de la technique, mais comment est-ce que le cinéma sénégalais peut se retrouver justement dans ce festival qui est organisé par nous? Bah, aujourd'hui, le problème pour moi, en fait, nous on l'avait déjà compris d'ailleurs. C'est pour cela qu'on s'est ouvert à l'Afrique et à la diaspora. Voilà, on s'est ouvert parce que si on se restait entre nous, REC, on ne va pas pouvoir se mesurer. Tu vois? Parce qu'on va se dire, ouais, on va se dire, ouais, on a inscrit que ces films-là qui existent, bah, on va les projeter, on va les montrer. Et ça va être un festival, je ne dirais pas un festival de quartier, mais ça va être un temps de bébé. Tu vois? Alors que c'est important d'avoir des films de qualité. Maintenant, au Sénégal, nous avons un fonds qui doit appuyer ces films. Les jeunes-là qui ont fait des films, ils ont fait le devoir parce qu'ils ont essayé. Si ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas été financés, ils n'ont pas été accompagnés financièrement. C'est pour cela qu'on regarde les films, on sent nettement que ces films-là n'ont pas été accompagnés. Par rapport aux autres pays qui ont accompagné leurs films financièrement, il n'y a pas photo. Tu vois, c'est pour cela qu'il faut que les politiques publiques du Sénégal continuent d'accompagner les productions et que le FOPICA, que je vais citer, arrive à faire des sections chaque année. On reste 2 ans, 3 ans sans section, sans du coup les gens vont faire des films avec des